situation est belle car on a Congo number one. Tant on est number one toute cette terre, number toute terre, number one. C'est ça, précis à Raboué. Ils allent Raboué quoi? Ils allent vraiment Raboué. Presse à Mboka, ils vont na Congo number one. Mais internet vous pote vous bite Congo number one. T'es na tuni t'es number one. Tout le monde a number one na tuni. Ils allent Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyobozelaki, Pona, ba papa, ba maman, bana, mpeli, bota, mobimba, yangoyo. Ngonge Betty, adorons l'éternel, adorons le grand roi, avec Casarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu, bénis les mariages. Ba papa pe ba mama, bona bana, peli bota mobimba, pe na ba fête nyonso bolingaka, album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu, adorons les grands rois, en support DVD, achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. C'est que c'est au niveau du contenu de l'accord. C'est bien que nous ayons un accord qui va certainement changer des choses, mais le contenu de l'accord pose problème. On oblige le Congo à plus de démocratie. Mais on n'a rien parlé du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et des deux autres pays qui sont directement impliqués dans cette guerre. Au Congo, nous avons la chance aujourd'hui d'être face à face opposition majorité, tandis qu'au Rwanda, vous ne verrez nulle part où il y a opposition majorité et des candidats qui se sont annoncés au présidentiel d'il y a, je crois, 10 ans, tous ont été arrêtés et certains continuent à être en prison au Rwanda. Et en Ouganda, il n'y a pas plus de mois, on a arrêté un opposant en pleine ville, il a été directement emprisonné et là, personne condamné ni à Londres, ni à Washington, ni à Paris. Et au Congo, on vous dit qu'il n'y a pas de démocratie. Alors, je ne sais pas si la notion, même si on peut considérer que la science évolue chaque jour, si la notion de la démocratie a un entendement que celui que nous avons dans les dictionnaires et dans les différents symposiums qui sont tenus organisés à travers le monde, puisque nous savons que le soubassement de toute démocratie, c'est d'abord la liberté d'expression et d'opinion, ensuite c'est la liberté des choix, et enfin c'est le développement. Mais aujourd'hui on considère que le Rwanda ne peut pas certainement être directement cité dans ce qui est en train d'être fait au Congo et ne peut même pas voir une voie de sortie pour arriver à réunir le citoyen rwandais chez lui, puisque là il y a un problème ethnique et c'est une guerre fratricide entre les Hutus et les Tutsis et qui a des implications sérieuses sur la vie des citoyens congolais. Je crois qu'il faudrait que ceux qui vont signer, certainement le président de la République a été là et il va certainement poser sa signature, mais nous voudrions que la force qui sera déployée, la force africaine qui aura la mission principale de combattre toutes les forces négatives, combattre avec efficacité, il ramène la paix et à ce moment-là, le reste nous saurons, parce que tout de suite les gens regardent des... Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est l'impression qu'on voudrait donner qu'au Congo, il n'y a que du noir, les gens ne peuvent pas parler au Congo, les gens sont emprisonnés au Congo, alors que ce qui se passe ailleurs, c'est pur que ce que nous vivons ici, puisque ici au moins, nous avons la latitude. Non seulement la volonté, mais nous avons aussi cette compétence qui provient de la loi.
que nous puissions nous agir, déclarer, convertir nos pensées, arriver à les imposer et les exprimer de la manière la plus libre et la plus publique possible. Ce qui n'est pas le cas dans ces pays-là que j'ai cités. Et je crois que c'est là que la diplomatie congolaise a vraiment démontré ses limites. Et je crois qu'il faudrait que nous puissions regarder, peut-être à la suite du dialogue qui pourra avoir lieu, que nous regardions qui plaçait à la tête de cette diplomatie. Sinon, le Congo continuera à rêver comme d'habitude et on risquerait d'aller de rêver en rêver. Et à ce niveau-là, c'est la population qui va totalement perdre et c'est Joseph Kabila qui sera jugé par rapport à ses engagements électoraux. Et la conséquence, c'est probablement on arrivera à une situation d'impopularité qui n'aura pas de nom, que le jour où probablement la population pourra se décider autrement. Voilà, M. Benoît Yolama, je rappelle à l'opinion qui nous suit et surtout ceux qui nous suivent en dehors de nos frontières, que vous êtes de la majorité présidentielle. Alors, il y a l'inquiétude qui s'installe. À quoi va aboutir au jour d'aujourd'hui les pourparlers de Kampala? On fait table rase de ces pourparlers. Le budget, le Congo a sorti beaucoup d'argent. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous voyez les choses d'après vous? Bon, je vous savais dans l'une de vos productions de cette même émission socio-politique, je vous avais dit que Kampala n'était pas un stade de négociation. Et la principale question qui était posée au niveau de Kampala, c'est d'évaluer l'accord du 23 mars, dont ceux-là qui étaient tués en 2007, 2008, 2009 ont eu comme soubassement leur existence juridique. Et comme ils ont accepté qu'on puisse évaluer cet accord, dans l'accord, je vous avais dit, même en dehors dans mes différentes interviews que j'ai accordées à la presse, que l'accord était appliqué à plus de 95%, donc vers les 98%, puisque vous avez vu dans l'armée, certains civils de ce qu'on a appelé CNDP ont été, certains sont devenus des officiers supérieurs, les majors, lieutenant-colonel, colonel, d'autres sont devenus des généraux et les lieux d'affectation principaux, c'est la partie est de la République démocratique du Congo. Et je crois que lorsque vous regardez au niveau du gouvernement provincial du Nord Kivu et même du Sud Kivu, certains sujets Banyarwanda sont directement intégrés. Nulle part au monde vous trouverez qu'il y a des primes de guerre et les primes deviennent aujourd'hui un objet de chantage comme si le Congo a perdu la guerre. Le Congo n'a ni perdu la guerre, ni perdu la bataille. Et l'armée est faite pour de telles opérations. On peut gagner aujourd'hui, on peut perdre demain. Même l'armée française au Mali est en train de perdre et en train aussi de gagner. Et je crois qu'on ne puisse pas faire croire à notre opinion publique qu'il y a du pur chez nous, je pense, que les deux dernières victoires que vous avez entendues dans les Maniema est en train de réconforter ce que je suis en train de vous dire. Et je crois que c'est un problème de volonté, un problème du changement mental, et nous allons transformer ce qu'on qualifierait de la paix pour la République, et cette paix change de camp pour que l'autre côté, l'autre partie, arrive à changer, à se déconnecter de ces méthodes-là, et principalement le Rwanda et l'Ouganda qui attaquent le Congo doivent retirer leurs militaires, et aussi penser à la solution de M. Pierre Payan qui a parlé de retour à la mère patrie pour les Banyarwanda qui sont au Congo. Vous avez entendu la lettre de M. Museveni, le président ougandais, qui a posé trois problèmes. Le premier problème pour lui, c'est qu'il faut aider. Il a utilisé, ce n'est plus les rwandophones, ce n'est plus les Banyamulenga, il a utilisé l'expression Banyarwanda qui a été utilisée aux années 57-59 lorsque certains ont traversé la frontière pour des raisons économiques. Et tous ces gens ont leur famille, puisque aller au Rwanda et revenir, c'est une affaire d'une journée, c'est peut-être de moins de 30 minutes. Et deuxième élément, à part demander qu'on donne la nationalité congolaise au Banyarwanda, ça il faut le dire clairement pour que l'opinion puisse nous suivre. Et la deuxième condition qu'il va donner, c'est-à-dire nous Congolais qui souffrons, qu'on tue matin, midi, soir, nous ne pouvons pas pleurer les nôtres, puisque si nous pleurons, pour lui, c'est la haine, la xénophobie, la haine tribale contre je ne sais pas quelle tribu. Et ça, il a couché dans cette lettre du 16 janvier. Et en fait, quand il demande, la troisième condition qu'il demande à la communauté internationale, et cette lettre a été adressée au secrétaire général des Nations Unies, il faut le souligner, il demande qu'on puisse arrêter toute cessation de poursuites judiciaires, qu'il y ait cessation de poursuites judiciaires contre les auteurs des tueries, notamment Kounda Batware, Alliance Makenga et consorts,
qu'on ne puisse pas les poursuivre. Donc, il n'y a aucun problème congolo-congolais qui justifie même ce que nous appelons aujourd'hui le dialogue. Ils ne parlent que de leurs problèmes. Et ça, ça soutient toute la thèse du pillage que nos compatriotes ont subi à Goma. Et là aussi, je pense que le président américain, qui a probablement appelé pour rappeler à l'ordre son homologue rwandais, et je crois que cette fois-ci, il va faire mieux, puisqu'il a eu à pleurer 7 enfants américains, ce que nous déplorons, puisque lâchement tué des innocents. Mais nous avons perdu 6,5 millions de citoyens congolais. Et nous pensons que le président américain, en tant que parent, en tant que quelqu'un qui prête serment sur la Bible, aura le même sens, le même sentiment et la même volonté pour que la guerre s'arrête au Congo. Et c'est cela que les enfants congolais demandent. Il n'y a pas grand-chose, on n'a pas besoin de millions. Je vous retire la parole. Vous avez consommé autant de minutes. Voilà. Je reviens maintenant au président Jean-Félix Senga. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif permanent des forces acquises au changement FAC. Vous êtes président national des chrétiens démocratiques, un parti de l'opposition politique. Vous êtes proche de Tshisekedi Tshisekedi. L'opinion internationale congolaise nationale vous suit plutôt. Alors dites-nous, aujourd'hui nous parlons des signatures de l'accord cadre de paix à Addis Abeba. Nous avons eu des pourparlers à Kampala où nous avons vu l'opposition politique. Votre parti n'était pas représenté, non plus votre plateforme de l'opposition politique FAC n'était pas représentée. Aujourd'hui on parle des signatures de l'accord cadre à Addis Abeba. Est-ce que vous êtes pour? Qu'est-ce que se cache derrière et quelle est votre position par rapport à ces deux grands événements? Merci M. Flavien pour l'occasion que vous me donnez de livrer à l'opinion tant nationale qu'internationale quelle est notre position au sujet de cet accord dit cadre. En principe, j'aurais voulu commencer par épingler quelles sont les raisons qui ont milité pour que la communauté internationale arrive à ce niveau, donc de créer cet accord. C'est ce qui est d'abord déplorable. Vous suivez bien l'argumentation du secrétaire général des Nations Unies, de l'ONU. On vous dit, parce qu'au Congo, le leadership est faible, si pas absent. Parce qu'au Congo, il n'y a pas une vision claire. Parce qu'au Congo, ils n'ont pas d'idéal. Parce qu'au Congo, on ne sait pas sécuriser et sa population et ses frontières. Parce qu'au Congo, il n'y a pas une armée. Parce qu'au Congo, il n'y a pas une police. Vu tous ces éléments-là, la communauté internationale s'est vue, en toute responsabilité, s'est autorisée de s'investir dans le dossier Congo afin de trouver des solutions une fois pour toutes, parce qu'il y a des guerres récurrentes. Voilà ce qui a motivé leur prise de position. Eh bien, pour tout Congolais normal, logique, c'est honteux pour le Congo. C'est honteux, c'est scandaleux. Je ne pense pas que ce soit mon frère Yolama que lui admettrait que pour de telles raisons, hein, pour le pouvoir que lui soutient, le pouvoir que lui est en train de défendre à corps et à cri, soit accusé d'être faible, si pas absent. Qu'au Congo, il n'y a pas d'autorité de l'État. C'est ainsi que notre territoire est livré aux bandits. Les bandits sèment la terreur, la désolation. Il y a des violations, il y a la violence sexuelle, il y a des violations des droits de l'homme qui, du reste, ne sont pas commis par le Congolais nécessairement. C'est par toutes ces forces négatives. Eh bien, pour ces raisons-là, la communauté internationale s'est vue dans l'obligation de prendre ces trains de mesures. Mais hélas, nous, Congolais, responsables, nous ne sommes pas d'accord avec cet accord cadre. Parce que vous de l'opposition politique. Sans quelque chose. Je dis d'abord, tout Congolais responsable, tout Congolais normal n'admettrait pas ça. Vous savez qu'avec cet accord cadre, on nous a mis sous tutelle. C'est ce que ça veut dire, il n'y a pas d'autre terme. Nous sommes sous tutelle désormais des pays frontaliers. Et si vous suivez de très près, c'est parce qu'on a voulu faire plaisir au Rwanda, au Uganda, au Burundi. C'est juste pour eux qu'on a tissé cet accord cadre. D'ailleurs, je pousse même loin. Je ne pense même pas, moi, à mon avis, que ce soit Ban Ki-moon qui a concocté cet accord. Non, c'est la cellule de travail du sous-secrétariat d'État américain chargé d'Afrique qui a fait ça. Et on a donné à Ban Ki-moon, il veut avaliser, faire passer ça comme étant quelque chose qui a été travaillé à l'ONU. Loin de là. Vous vous souviendrez les propos du sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique. Il a dit des choses pas propres pour le Congo. Il compare le Congo à la Yougoslavie.
Or, la situation qui prévaut au Congo, ni de près ni de loin, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Yougoslavie. Si lui compare le Congo à Yougoslavie, qu'est-ce que ça veut sous-entendre? Que dans les jours à venir, pour eux, ce serait normal de balkaniser le Congo comme on a balkanisé la Yougoslavie. C'est-à-dire, ils sont en train de préparer le terrain, préparer la mentalité du Congolais. Comme les Congolais, eux, parfois, se battent non seulement autour de l'idéal, autour des intérêts supérieurs de la nation, mais autour des individus. Certains sont aveugles, trouvent que cet accord cadre est normal. N'est pas normal. D'ailleurs, moi, j'ai aimé, sincèrement, le propos de mon co-débatteur. Sans embâche, il est allé tout droit, il a dit, comment voulez-vous? On exige au Congo de démocratiser davantage, on exige au Congo de poursuivre la décentralisation territoriale, ainsi de suite. Pourtant, au Rwanda, en Ouganda et au Burundi, il n'y a pas de démocratie. Même ici, au Congo Brazza, il n'y a pas de démocratie. Il n'y en a pas chez eux. Nous, nous avions commencé cette affaire démocratique depuis 94, depuis 90. Nous avons commencé et ça poursuit son bonhomme chemin. C'est vrai, on est en train de tâtonner, mais tout en tâtonnant, nous avançons, tant peu soit si peu. Mais par contre, dans d'autres pays là, qui, vous savez quoi, dans cet accord, non seulement nous, on nous exige de démocratiser davantage, le Rwandais, le Burundais, les Ougandais ont le droit. On doit avoir un œil vigilant de veiller, de surveiller, voir ce qui se passe. D'évaluer même le niveau d'avancement de ce que nous faisons. Alors, en c'est démocratie. C'est un piège pour les Congolais. Tout à fait, c'est un piège. Noir sur blanc. Il faut être ce Congolais qui est complice, ce Congolais qui travaille contre le Congo pour signer un tel accord. Un Congolais responsable ne peut pas admettre ça. Ne peut pas admettre. C'est un piège pour la balkaniser. Aujourd'hui, prenons ça avec beaucoup de légèreté. Nous risquons de regretter. Malheureusement, on ne va pas regretter parce que nous, de l'opposition, on ne va pas fermer l'œil, on ne va pas croiser les bras, on ne va pas dire à Ban Ki-moon, bravo, tu as fait un bon travail. Parce que ce travail qu'ils font là, c'est malgré nous et contre nous. Malgré ça, nous allons nous lever. Vous vous souviendrez, en 1915, on a fait presque pareille chose à l'Allemagne. Lui, il a dit, nous n'avons pas perdu la guerre, nous. Est-ce qu'il y a eu une guerre ici que nous avons perdu pour avoir capitulé? Voilà, on nous impose ce qu'on nous impose. Non, on a fait ça avec l'Allemagne à l'époque où, je crois que c'est Napoléon qui avait assiégé l'Allemagne. L'Allemagne, c'était pratiquement, hein, on leur avait imposé presque ce même régime. Mais heureusement, quand bien même il y avait des complices de collabos allemands en ce temps-là, heureusement, il y avait quand même des gens qui sont restés attachés aux valeurs fondamentales. Ils ont réfléchi au point qu'ils ont recréé une identité nationale qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est un pays fort en Europe. Personne ne peut dire le contraire. Donc, de ce point de vue-là, nous de l'opposition, malgré ça, nous disons aux Congolais, calmez-vous. Tout ce que nous pouvons faire dans un premier temps, c'est de sensibiliser le Congolais d'abord qu'ils le comprennent. Parce que la plupart des Congolais ne savent même pas en quoi consiste l'accord cadre. Donc on va donner l'information, on va sensibiliser notre peuple. Vous ne pensez pas que vous êtes déjà en retard parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche et demain lundi déjà, les concernés vont passer à la signature. Est-ce que vous ne pensez pas que le temps de communiquer... Quelqu'un a posé encore une telle question. Non, le problème ce n'est pas empêcher nécessairement qu'on signe demain. Non. Signer, ils peuvent signer, c'est sur papier. Ils vont appliquer ça où? Au Congo. Oui. Il faut que le Congolais accepte. C'est ainsi que nous... Malgré la signature, même si le Congolais ne partage pas cet avis, vous pensez que ça n'aura pas d'effet? Que j'emprunte d'abord l'expression de la majorité. Allez-y. La majorité, quand on parle de dialogue, ils ont maintenant un slogan qui passe toujours. Oui, nous acceptons bien les dialogues, les négociations, à condition qu'on respecte l'ordre constitutionnel. Constitutionnellement parlant, cet accord étant un accord de la communauté internationale, pour qu'il soit promulgué au Congo, il faut qu'il passe au Parlement. Et nous demanderons même le référendum. Et majorité, excusez-moi pour la tautologie, au Parlement. L'opposition, vous êtes toujours minoritaire. Tout à fait. C'est là qu'on va démontrer qu'au Congo, les gens font la politique sans comprendre le pourquoi. On ne fait pas la politique pour se ranger derrière, des individus. Oui. Il faut défendre les idées. Oui. Donc, nous, Mobutu s'est battu pour l'unité nationale. Mobutu s'est battu pour l'intégrité territoriale. Kabila a donné même de sa vie parce qu'il tenait à ce que... Kabila, c'est super. Non, moi je parle. Quand je parle Kabila, vous voyez Laurent.
Hein, quand je parle à Laurent, c'est lui qui a donné de sa vie. L'autre ici a donné de sa vie. L'autre, par contre, est en train de vendre le Congo. On est en train de laminer le Congo chaque jour qui passe. Vous ne vous rendez pas compte. Non. On est en train de laminer le Congo. Vous pensez que si c'était moi qui étais président de la République, j'admettrais un tel accord. Mais pourquoi vous pensez que vous voyez tout en noir? On ne voit pas en noir, monsieur. On est en train de préparer le lit. Les actions que mène le président de la République, par contre, s'il menait des actions dignes de son nom, on n'arriverait pas à un tel accord cadre. S'il menait les actions dignes de son nom, les 18 brigades qui étaient formées par les Américains et les Belges ne disparaîtraient pas de ciel congolais. S'il menait des actions dignes de son nom qu'on pouvait applaudir, eh bien, on ne ferait pas le mixage, le brassage de l'armée, prendre tous les caporaux rwandais en faire des généraux congolais. On n'en ferait pas, monsieur. C'est parce qu'il n'y a pas des actions concrètes, dignes, qui valorisent le Congo que nous arrivons à ce stade-là. Voilà pourquoi vous devez comprendre que nous devons passer à la sensibilisation du peuple congolais. Nous devons mobiliser les Congolais pour que nous nous prenions en charge de sorte que cet accord cadre ne passe pas. Voilà. Parce qu'il en va de la vie de notre pays. Eh bien, nous disons que nous sommes d'accord que les autres viennent nous aider pour qu'on puisse mettre la paix au Congo, qu'on puisse sécuriser les frontières congolais à une seule condition. Qu'on sauvegarde l'unité nationale, qu'on sauvegarde l'intégrité territoriale, qu'on sauvegarde la souveraineté nationale. On aura les propositions à la fin. Okay. Voilà, monsieur Benoît Youlama, je reviens à vous. Vous avez suivi le son des cloches de l'opposition politique. Aujourd'hui, la signature de l'accord cadre d'épée à Addis Abeba a été un échec pour le pouvoir en place. Vous avez échoué, c'est votre faiblesse. C'est ce qui a amené qu'aujourd'hui, on arrive à la signature de l'accord cadre. Alors, vous partagez cette lecture de l'opposition politique qui a démontré, avec des exemples, votre faiblesse, vous de la majorité. Bon, moi, je ne parle pas de faiblesse. Et je crois que dans tout ce que mon co-débatteur, M. Seng, a parlé, il n'y a pas que du faux. Il y a aussi certaines vérités que je partage avec lui. Simplement, par exemple, sur la décentralisation qu'on demande à l'État congolais de décentraliser. Au niveau international, on ne peut pas se préoccuper nulle part dans la Charte des Nations Unies où on demande à l'Organisation des Nations Unies d'aller exiger à un État une décentralisation. Et de l'autre côté, dans cette décentralisation, les Banyarwanda, acceptez que je le dise ainsi, sont en train de demander une décentralisation qui tienne compte des réalités sociologiques. Et dans leurs demandes qu'ils ont déjà formulées, qui existent dans plusieurs États-majors à travers les politiques à travers le monde, il y a une réalité qu'on ne peut pas se cacher, c'est qu'ils cherchent à avoir Rutshuru et Goma comme territoire autonome qui doivent administrer. Avec qui? C'est les Rwandais qui veulent prendre ces territoires pour les annexer au Rwanda. Et là, si nous, Congolais, ne faisons pas certainement attention, nous risquons de perdre notre souveraineté sur ces entités congolaises. Et là, c'est un point de vue que je partage, puisque nous n'avons pas des États. Nous n'avons qu'un seul, au moins les autres qui ont 4, 5, 6 passeports. Moi, je suis Congolais. Ce n'est pas par ma volonté, c'est par la volonté de Dieu. Et j'ai l'obligation de défendre. Mais là où un deuxième élément, lorsqu'il disait qu'il n'y a pas un leadership conséquent ou ceci, cela, mais tout ce qu'il y a comme un mixage, tout ce qu'il y a comme accord global et inclusif, même notre constitution de la transition a eu la participation active de cette communauté dite internationale. La MONUSCO a été là, et d'autres organismes, AIPC, NDIAE, même le professeur Edouard, qui est venu de l'Université de Paris 3, un sujet américain, tous ces gens ont travaillé pour que le Congo ait une constitution tout au moins acceptable. Mais je suis étonné que le même qui ont fabriqué la maquette de cette constitution arrive à constater aujourd'hui qu'au Congo, il n'y a pas un leadership. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par leadership? Je crois, et là, si ce n'est pas absurde, le leadership, c'est un homme fort, pas les institutions. Le leadership, c'est un vrai dictateur, comme au Rwanda, comme en Ouganda. C'est cela qui manque chez nous, puisque nous acceptons la démocratie. Et aussi, la faute de nous, Congolais, aujourd'hui, je suis étonné d'attendre le discours de M. Senga, qui apparaît un discours nationaliste pour moi, puisque par le passé, si c'est le même discours qui était tenu par l'opposition, Joseph Kabila n'arriverait pas à cette situation. Et lorsque Joseph Kabila appelle à la cohésion nationale, voilà, ils ont dit il y a des conditions. Moi, je suis très choqué, puisque le seul préalable que j'accepterais, moi, en tant que citoyen congolais, c'est le fait d'être né congolais. Mais pour les autres, ce n'est plus le fait d'avoir été désigné par Dieu congolais, mais pour eux, c'est le partage équitable et équilibré du gâteau. Donc, c'est ce voilà. Que et tout de suite, la Lumbala, qui est même du centre, se retrouvait là-bas.
Malheureusement pour lui, l'histoire va finir très mal. Et Nyamwisi se retrouve encore. José Makila, qui a fort débattu de la question des Banyarwandais sur l'Assemblée nationale, se retrouve encore sur la liste des autres. Voilà un peu ce qui tue le Congo. C'est cette conscience inconsciente de certains. Et même là, j'apprécie le professeur de l'université de Kinshasa, qui a manqué dans la classe intelligence congolaise. Si nous prenons le risque de dire haut ce que les autres disent bas, je crois que la donne va changer au niveau international. Puisque si, au niveau de Kinshasa, nous pouvons changer les choses, ça doit partir des universités. Nous avons marché contre M. Kengo au début de la guerre de la FDL. Nous sommes arrivés à arrêter le conseil des ministres ici à la primature. Nous l'avons réussi. On prenait le camion de MB et qu'on sort. Et aujourd'hui, personne ne peut contester ce que nous avons mené comme action héroïque. Et Mobutu, par moment, voulait tenter de récupérer ce qu'il voulait récupérer. Malheureusement, il est parti à la contre de la volonté populaire et il a fini par échouer encore. Je pense honnêtement que tout de suite commencer à condamner le président Joseph Kabila constituait une faute grave. Puisqu'au sein de la majorité de Joseph Kabila, il y a ceux qui ont fait le voyage de Kigali, de Kampala, de Burundi, qui se sont nommés rebelles, professeurs d'université, chefs de travaux, assistants des différents doctorants. C'est au Congo seulement que je vis cela. J'ai tenté de vérifier l'histoire à travers le monde. C'est au Congo que j'ai vu des professeurs d'université sont des chefs rebelles. Wamba Diawamba disparaît, Zaïd Ngoma, on ne parle plus de lui, tous ces gens-là. Ça, c'est inacceptable. Alors, ceux qui peuvent être des étoiles de la République deviennent la sombrité, le noir de la République, et la conséquence, c'est qu'au niveau de la jeunesse, on n'arrive plus à comprendre. Il n'y a plus de modèle. Vous citez très bien Laurent Désiré Kabila, mais lorsque Laurent Désiré Kabila nous avait appelé à la mobilisation nationale, je crois qu'il n'avait pas suffi de deux jours, le stade des martyrs était plein. Plus de 50 000 volontaires, même des femmes mariées qui disent « Moi, je dois défendre le Congo ». Mais aujourd'hui, c'est le même qui tente, et là, je suis d'accord que ce n'est pas le président Kabila comme individu, comme président, qui a des problèmes, mais certains qui ont eu des charges d'État, mais qui n'arrivent pas à démontrer de quoi ils sont capables. Et c'est le même qui est l'injurier. Mais croyant peut-être qu'ils avaient une certaine expérience, ils avaient une certaine moralité, mais ils ont brillé par le même problème. Kampala, plus de millions de dollars. Mais avec cet argent, on pouvait construire même 5-6 kilomètres de route avec le coût que les Chinois nous ont amené. Et inutilement, alors qu'il devait être plus impératif pour dire non, et récemment les documents étaient envoyés par la présidence, ils ont dit pas d'intégration, pas de gouvernement d'union nationale. S'il y a des problèmes congolo-congolais, on va les traiter au Congo et non en Kampala. C'est le seul élément que j'ai pu apprécier. Mais le reste, je crois qu'il n'y a eu qu'un tourisme sans nom qu'on a effectué au niveau de Kampala, alors qu'il fallait taper sur la table de la manière la plus absolue possible pour dire nous avons besoin de la dignité, nous avons besoin de l'honneur et nous ne pouvons pas céder à ces conditions-là. Et cela que je continue à dire que la diplomatie congolaise a failli puisque ce n'est pas le président de la République qui va participer dans l'élaboration de tels documents. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a la responsabilité de participer en tant qu'expert du gouvernement en la matière. Et malheureusement, partout où notre ministre actuel a participé, il n'y a eu que des échecs. Le Congo n'était plus la tête, le Congo n'était que la queue. Et c'est ce qui est triste et malheureux. Et partout où notre ministre des Affaires étrangères passe, on ne parle pas du Congo en bien, c'est la ministre rwandaise qui est la vedette de tous les médias. Et ça, c'est inacceptable. Alors vous, ça, c'est un échec pour le ministère des Affaires étrangères. Mais j'ai très bien dit que notre ministre des Affaires étrangères n'a pas été à la hauteur de ses tâches. Je suis de la majorité et je sais de quoi je parle. Et je le dis en toute responsabilité. Et en troisième élément, et peut-être le dernier, c'est qu'au niveau de la sous-région, l'appui que nous entendions qui a été un appui, je crois qu'il y a deux États qui nous ont appuyés et soutenus, il y a la Tanzanie et le Zimbabwe, et le vieux Mugabe, n'a pas hésité de nous soutenir. Même là, on a parlé qu'il y aurait un problème protocolaire, la fois passée, il n'y avait pas un problème protocolaire, un problème de fond, c'est que nous n'avons pas été en mesure de mobiliser en faveur du Congo, alors que le Congo est la victime, est victime des empiètements politiques et militaires de ses voisins. Avec les multinationales anglo-saxonnes, il y a le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suède, tous ces États-là, avec leurs multinationales qui sont en train de prendre les minerais congolais, ce sont eux qui créent la guerre. Mais maintenant, ils cherchent une voie de sortie pour le Rwanda et l'Ouganda. Alors, la meilleure voie de sortie qui pouvait se faire, c'est de demander aux Rwandais et aux Ougandais de rentrer chez eux en prenant en considération la théorie de retour à la mère patrie de Pierre Payan.
tous les Banyarwanda qui sont en Tanzanie, qui sont au Congo, qui sont peut-être dans d'autres pays, qui sont incapables de s'intégrer, ils peuvent repartir chez eux. Puisque aucun, moi, je peux vous donner l'histoire de mes arrière-parents. Il n'y a pas du temps, mais je peux vous dire, je connais comment tout s'est passé, comment ils ont immigré jusqu'à aujourd'hui. Et les noms que je porte, c'est le nom qui vient de là. Dis-moi un seul Banyarwanda qui n'a pas les noms rwandais. Tous sont des noms rwandais. Donc ils ont des racines rwandais et ils ne sont pas apatrides, comme ils voudraient faire croire à la communauté internationale. Mais je crois que la MONUSCO a été lapidée à Kisangani et même pillée. C'est un signal. J'aurais souhaité que le secrétaire, donc le représentant spécial de Bakounissi à Kinshasa, aille faire ce rapport que nous avons été pillés par les simples citoyens congolais, pas par l'État. C'est ton message. L'opinion internationale vous suit parce que la colère de la majorité, je vous en prie, je voudrais terminer là. Oui, vous terminez. La colère de ceux qui sont des victimes, qui sont tués, qui voient leurs parents violentés, enfants, femmes, est plus grande qu'une bombe atomique. C'est maintenant qu'ils doivent recadrer les choses pour changer la donne au niveau monsieur de la sous-région. Monsieur Jean-Félix Sénat, je reviens à vous maintenant. Nous, malgré que vous avez décrié l'accord, la signature de l'accord cadre, vous avez dit que c'est un échec et une faiblesse pour les pouvoirs en place. Mais là, on accuse aussi l'opposition politique, certains membres de l'opposition politique, à l'occurrence M. Roger Lumbala, José Makila, qui a emboîté les pas au pourparler des Kampala. Ils ont rejoint les M23. Aujourd'hui, cet accord aussi met fin. Cet accord, la ceinture de l'accord cadre, mettra aussi fin aussi à la participation de l'opposition politique, de vos collègues, de vos amis de l'opposition politique qui ont allé rejoindre le mouvement du 23 alors mars. Comment est-ce que vous répondez par rapport à cette préoccupation? Je ne comprends pas trop bien les bien fondés de cette question parce que. Prenons. Yulama venait de le soulever. Non, il a soulevé, c'est vrai, mais est-ce que. Quand il a soulevé ça, il a pris le soin de vous dire aussi. Non seulement on a cité José Makila, on avait cité aussi des personnalités de la majorité, dont Bouchab. Est-ce qu'il a pris le soin de vous dire ça? Même Bouchab aussi oui, cité dans les rapports. Il était cité comme étant aussi membre du M23. Donc comme étant. Il devrait aller jusqu'au bout. Sur aucune liste. Là, on avait, sur la liste où figurait José Makila, il y avait aussi des éléments de la majorité. Si vous voulez, soyez impartial. Donc, si vous voulez citer des noms, citez tout le monde. Il n'hésitera jamais. Et puis, bien, moi, je ne pense pas que ce débat-là intéresserait la nation. Je ne sais à quel niveau, à quel point, non. L'individu Roger Lumbala, lui-même, en âme et conscience, il se décide de rejoindre cela pour des raisons qui lui sont propres. Eh bien, que voulez-vous que ça je fasse pas moi, personne, ni de près ni de loin, ça ne concerne pas l'opposition. Vous vous souviendrez, à l'époque où Roger Lumbala a séjourné à Kampala, où il avait fait une déclaration à la Radio France Internationale disant qu'il venait solliciter l'invitation auprès de Museveni pour l'opposition congolaise. Nous avions réagi, nous avons fait un point de presse, dire que nous ne l'avons pas mandaté, nous n'avons pas besoin d'aller participer à ce genre-là. Nous disions, nous nous sommes restés constants, non, par rapport au pouvoir. Le pouvoir, autant que nous, disait que nous ne ferons jamais des négociations avec le M23. Mende l'a dit à qui voulait l'entendre. Ils ont fini. Aujourd'hui, c'est l'État congolais qui a dépensé des millions de dollars à Kampala pour rien. Ils ont négocié pour rien. Nous nous disions que nous ne pouvons pas nous mettre autour d'une même table avec le M23. Vous les appelez rebelles. Nous, on ne les appelle pas rebelles. Nous, on les appelle agresseurs rwandais. Donc, nous sommes restés logiques avec nous-mêmes de ce point de vue-là. Parce que ces gens-là, il faut l'avouer, vous pouvez prétendre être des Congolais. Vous faites une rébellion au Congo pour que vous puissiez vous octroyer des territoires. Si vous prétendez que vous êtes Congolais, c'est que vous appartenez quand même à l'une des tribus au Congo. C'est que vous avez des terres au Congo. Vous n'avez pas de terres, vous n'avez rien. Vous êtes venus d'où? Vous êtes Congolais comment? Qui vous battez au Congo pour avoir des territoires. De ce point de vue-là, nous pensions que nous n'étions pas ensemble avec ces gens. Ce n'est pas parce que nous réclamions la vérité des urnes et que eux ont fini par dire ça. C'était un appât qui nous lançait. Nous, on n'est pas, on est responsable. On ne peut pas tomber alors, dans l'appât des autres. Alors, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut faire pour profiter des acquis de cet accord en rapport avec ses relations avec le Rwanda aujourd'hui? Par contre, moi, j'aurais voulu, heureusement, mon frère l'a effleuré. Nous disions en son temps, vous vous souviendrez, avec le professeur Omeyang, la diplomatie congolaise est très faible, si pas absente. Aujourd'hui, les résultats de cet accord, posez-vous des questions. Vous pensez que les Américains, les Belges, les Allemands,
Ils sont très faibles devant les Rwandais. Ils sont injustes par rapport aux Congolais. Ils aiment les Rwandais plus que tout. Je ne pense pas. Les Rwandais ont créé des lobbies sur le plan international qui ont fait le travail de fond. C'est-à-dire, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail qui a été amorcé depuis longtemps. C'est ce qui a manqué chez nous. Eh bien, ça nous manque. Pourquoi ça manque? Parce qu'effectivement, chez nous, il n'y a pas de vision. Nous ne savons pas ce que faire du Congo. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons du Congo. On ne sait pas. Nous, on se réveille le matin, on vous dit, bon, je ne veux pas voir cet arbre là-bas, on le déplace. Bon, je voudrais que vous nous mettiez des séparateurs sur... Ce n'est pas ça la préoccupation. Nous, vous allez voir les gens qui passent à la télé se battre. Non, maintenant, on a fait la bancarisation. C'est la bancarisation qu'on a fait. Ça a un impact dans les paniers des ménagers. Rien. Nous, on a maintenant stabilisé les systèmes macroéconomiques. Ça a un impact sur les paniers des ménagers. Rien. Bon, finalement, venez nous dire ça pourquoi. L'objectif de ça, c'est quoi? Eh bien, nous, on aime plus apparaître, hein, dire, faire les vectariats à la télévision que de faire des propositions qui font avancer le Congo. Ce qui nous importe aujourd'hui, nous, comme je l'ai dit, voilà la raison pour laquelle en ce temps nous nous battions pour qu'il y ait un dialogue intercongolais. Voilà. Parce que nous pensions que au cours du dialogue intercongolais, nous allions trouver des solutions qui devaient en principe nous permettre, nous Congolais, finalement, d'avoir une véritable armée, une véritable police, qui devrait finalement de faire en sorte que nous ayons une véritable justice dans ce pays. Dans ce pays, il n'y a pas de justice. Il suffit que toi, aujourd'hui, tu essaies un peu de critiquer l'hôpital des Chinois. Un Chinois se plaint. Flavien, demain, tu te retrouves à Makala. Mais si... Oh, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un journaliste congolais qui est à Makala. Diana, parce, oui, que Diana, les... parce que y a... les Chinois se plaint. Oh, il y a 4 ans... À l'université de Kinshasa, les chercheurs, les professeurs en médecine ont démontré noir sur blanc que le produit que les gens consomment, ça donne l'insuffisance rénale. Ils ont même fait des circulaires à l'université qu'on peut retrouver. Le procureur n'est pas au courant pour aller prendre le journaliste et le flanquer à Makala pour avoir tenu de tels propos. Non, ce n'est pas ce que nous nous attendons. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il nous fallait le dialogue intercongolais. Au cours du dialogue, nous devions d'abord poser un problème sérieux qui s'est posé. Le problème de la crise de légitimité. Comme préalable, tu cherches oui. un préalable. Oui. Parmi les préalables pour le dialogue, oui. qu'on libère les prisonniers politiques, on doit libérer Chaloupa, on doit libérer Mokia, on doit libérer Coutinho, on les a arrêtés pour rien. Dernièrement, nous étions à la Cour suprême lors du jugement de Chaloupa. Le dossier est vide. On demande au ministère des... Ministère public. Il demande au magistrat, non, donnez-moi d'abord 2 semaines pour que j'aille étudier afin que je vienne vous donner des raisons. C'est toi l'accusateur. C'est supposé que tu connais, tu as tous les dossiers. Comment la personne a déjà fait 1 année en prison, toi l'accusateur, tu n'as pas d'argument. Tu ne sais pas argumenter pourquoi il doit être là, pourquoi il doit être arrêté. Vous trouvez que ce sont des choses moins sérieuses. Voilà pourquoi nous disons, il nous fallait, nous, le dialogue. Au cours du dialogue, on devait débattre sur la crise de légitimité. Et ainsi, nous devions nous doter, nous, Congolais, d'un leadership fort. Ainsi, nous devions ensemble, nos frères de la majorité, et nous de l'opposition, et ceux de la société civile, signer un pacte républicain. Et nous devions finalement nous donner une vision pour ce Congo. Qu'est-ce que nous voulons du Congo? Il faut que le Congo devienne un pays fort dans le concert des nations. Il faut que le Congo devienne un moteur en Afrique centrale pour propulser les autres à se développer. Parce qu'on me dit, on nous dit que non, vous voyez, le budget n'a pas fait ceci, on n'a pas... Mais non, ça, ce n'est pas des raisons à nous donner. L'ordre du jour aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? L'ordre du jour, nous sommes très clairs. Premier point, crise de légitimité. Nous avons deux présidents au pays. Un qui a été élu par le peuple. Deux, nous avons un qui dirige par défi, qui a été proclamé par la CENI, confirmé par la Cour suprême. La Cour suprême, vous savez, c'est une boîte d'indolence. Donc, ça sera l'ordre du jour d'après vous. C'est le premier point. J'y vais sans embâge. C'est le premier point. Ça, c'est la proposition de l'opposition. FAC. Ou bien du FAC. Proposition de FAC. Deux, nous allons parler de la guerre de l'Est sans tabou. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de trahisons. Comment vous vous trouvez normal dans un pays qui se respecte? Mon frère est là, s'il peut me contredire. Vous trouvez que tel général vendait les armes à ces soi-disant forces négatives. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est les suspendre. Elle est en train d'évacuer à ses occupations. Mais Chaloupa, qui n'a rien fait, qui a été député en 2006, député en 2011, lui, on le flanque en prison. Oh non, il n'est pas congolais, il y a usage des faux. Soyons sérieux, on doit apprendre à se respecter. Il en va de notre dignité et de notre honneur. Donc,
on va parler de la crise de légitimité. Deux, on va parler parce qu'il nous faut poursuivre les élections. Donc, on doit arranger, harmoniser sur la CENI. On doit trouver la loi sur la CENI. Les structures, tout doit être changé. Nous avions proposé quelque chose. Pardon ? Ça prendra du temps ? Ça ne peut pas prendre du temps. Nous créons 8 commissions en un rien de temps. 2-3 jours, les gens réfléchissent. En 10 jours, 15 jours au maximum, on aura fini. Mais vous allez. On quoi ? Alors, nous avons fait même les budgets. Voilà, nous allons revenir à vous. Il y a oui. beaucoup de questions. Nous avons fait même les budgets à ces sujets pour permettre. Donc, nous avons fait un travail de fond. Donc, le sac est prêt avec des propositions. Tout. Les termes voilà. de référence, nous voilà. en avons. Les objectifs à poursuivre, les résultats à atteindre. Tout, nous en avons. Voilà. Et nous sommes humbles tout en sachant que là, nous allons. Ce n'est pas pour aller donner des leçons aux gens. Ce n'est pas pour aller dire aux gens, vous devez faire ceci. Ça sera un échange. Mais d'ores et déjà, nous voulons tranquilliser nos amis de la majorité que nous ne venons pas là-bas pour le gouvernement de large union nationale. C'est pas ça notre préoccupation. Parce que il y aura des bouleversements, des chambardements. Admettons que on se rende compte. Parce qu'ici au Congo, on raisonne mal. Les gens disent, de mémoire, y est-il déjà arrivé lors d'un dialogue, d'un débat, le président qui était en place par... Le président qui était en place n'a pas été élu. Nous sommes en démocratie. Nous avons quelqu'un qui a été élu. Si c'est celui-là qui doit reprendre son impérium, vous ne trouvez pas que tout va changer. Merci beaucoup. Donc, ne voilà. limitez pas nous, façon, ne biaisez pas notre raisonnement. Ce sont les qui n'engagent que vous de l'opposition. Tout à fait. Voilà. Monsieur Benoît Youlama. Comment est-ce que vous répondez par rapport à leurs préoccupations? L'opposition, les FAC aujourd'hui, qui proposent, vous venez de suivre avec un cahier des charges, par rapport au dialogue national qui se pointe à l'horizon, comme ordre du jour. La vérité des urnes, on va revenir sur les élections. Donc nous allons revenir à la case de départ. Même à réformer la CENI, tout ça, ça se fera partie des ordres du jour qui seront proposés par l'opposition politique, du moins représentée par les FAC ici, sur ces plateaux. Vous, de la majorité, comment est-ce que vous attendez recevoir toutes ces revendications? Oui, et je crois que nous sommes en démocratie. Les amis ont le droit, puisqu'ils ne sont pas au Rwanda, ils ne sont pas en Ouganda, ils ne sont pas au Congo voisin, ils ne sont pas en Angola, ils sont en République démocratique du Congo, où aujourd'hui nous sommes en train d'exprimer ce que nous appelons les bases d'une démocratie, notamment la liberté d'expression et d'opinion. Donc, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent donner leur point de vue. Mais nous pensons, là, je l'ai dit au nom de cette majorité à laquelle je représente, que la mise en cause de l'ordre institutionnel ne fera pas l'ordre, ne sera pas une des questions à discuter pendant ce moment-là. Nous pensons que la crise que nous avons, et je l'ai dit tantôt, la République démocratique du Congo n'a ni perdu la guerre, ni perdu la bataille. Et donc, la mise en cause des institutions de la République ne se pose en aucune manière et en aucun cas. Et je pense que si certains sont en train de penser à une telle aventure, je crois qu'on est en démocratie, on respecte leur point de vue, mais nous n'accepterons jamais qu'on mette en cause l'ordre institutionnel, puisque, à moins d'une baguette magique, quelqu'un qui dit il dort dans sa maison, il se réveille le matin, il s'autoproclame, depuis les Sand City, depuis l'Afrique du Sud, Pretoria, vous vous rappelez d'une émission que votre confrère Élisée était en train d'animer chez, comment on l'appelle, Lisanga Télévision. Mais c'est Tshisekedi, c'était déjà autoproclamé président avant les élections, avant même de commencer la campagne. Donc, et moi, je ne sais pas, si nous mettons les statistiques sur le terrain, je ne vois pas un seul endroit où M. Tshisekedi peut gagner les élections. Pas au Congo. Avec tout ce qu'il a connu comme mésaventure dans la province orientale, dans la province du Katanga, il y a eu des invectives et mesures de mort un peu partout où il est passé. Et dans chaque coin de la République, il y a ce qu'on appelle des icônes, ceux qui ont une certaine image, une certaine puissance. Si vous partez au Bas-Congo, ça sera Kasavubu et Kimbangu. Si vous partez dans le Katanga, on vous parlera de Moïse Tshombe. Si vous partez de la province orientale, on vous parlera d'Okito et de Mpolo, Mpolo c'est pour le Bandundu avec les Xenga, mais là on vous parlera de Lumumba et de ses compatriotes qui ont été tués. Et en crachant sur ce mot, je ne vois pas comment les grandes provinces qui ont une forte popularité pouvaient voter en faveur de M. Tshisekedi. Et la sociologie électorale oblige, je ne vois pas comment quelqu'un qui se vit violente par les propos de M. Tshisekedi pouvait le voter. Et dans tout ce qui est comme déclaration au niveau international, personne n'a mis en cause l'ordre d'arrivée. Jamais. Et un autoproclamé, il a la chance, puisque nous sommes en démocratie. Donc, départ, on le respecte. Au Gabon, il serait déjà arrêté. Tshisekedi, c'était déjà autoproclamé. Au Gabon, il serait déjà arrêté. Après la tenue des élections.
Au Togo, il serait déjà arrêté, mais ici, nous avons respecté son âge, compte tenu de tout ce qui est sur cette personne. On a préféré le laisser pour qu'on ne mette pas sur nous. On n'a plus besoin des héros. Nous en avons eu déjà deux. Et je pense que c'est ce que les amis doivent retenir. Et quant à considérer que Évariste Bouchabe se trouverait sur une liste, ce sont des listes que vous avez fomentées si pour tenter de déstabiliser la majorité présidentielle. Nous savons ça, il n'a jamais existé sur une seule liste. Mais ce que moi je dois continuer à dire à nos amis, vous savez, c'est bien bon de préparer des plans. C'est bien bon de parler tout ce que vous parlez. Lorsque Rutshuru tombe, on n'a ni entendu la déclaration de l'opposition, même de ma majorité, ni une déclaration politique de l'Assemblée nationale, ni du Sénat, ni de l'opposition, ni de ma majorité présidentielle. Et lorsque Goma tombe, je crois qu'il n'y avait que quelques individus qui parlaient à la télé. Tout le monde avait déjà disparu, puisque les Rwandais vont arriver à Kinshasa, ils vont prendre le pays et ils vont commencer à nous donner une nouvelle civilisation. C'est cela qui nous met en cause. Puisque nous nous estimons faibles, nous estimons incapables de venir à bout des électeurs, et nous estimons que le raccourci, la voie la plus facile pour prendre le pouvoir, c'est de partir au Rwanda et revenir. C'est bien bon d'être ministre, mais lorsque vous faites le bonheur sur le sang de l'autre, rassurez-vous, si vous ne l'opérez pas, probablement vos enfants, vos petits-fils, et même votre famille, puisque c'est seulement au Congo où les gens acceptent de boire le sang de leurs frères. Pour dire, puisque moi j'ai besoin du pouvoir, qu'on m'appelle le ministre, qu'on m'appelle excellence, je serai un DG, PDG, mais le jour où vos propres enfants seront tués, qu'allez-vous dire? Puisque c'est cela que nous devons nous dire en face. Parler de Joseph Kabila, parler des élections, à considérer que Joseph Kabila parte aujourd'hui. Mais je sais que ça va barder, puisqu'aujourd'hui vous êtes divisé. Il y a deux groupes, comment vous l'appelez? Il y a le groupe FAC, si c'est Lisanga Bonganga, FAC et Martin Fayoulou. Mais ce sont des gens que nous connaissons et leur méthode. Moi, je ne pense pas qu'au travers de cela, que nous allons changer le Congo. Ce que je demanderai aux amis, c'est d'être plus simple. De dire, et je ne vois pas, c'est au niveau du discours que M. Seng est en train de parler. Connaissons très bien l'homme politique congolais. Je ne vois pas, il y aura les dialogues. On ne dira pas en dehors des caméras, vous nous parlez. Qu'il faut partager le pouvoir. Mais moi, je ne vois pas comment vous irez dans un dialogue. Et après le dialogue, vous dites, non, non, on ne prend pas le pouvoir. Si c'est cela, je crois bien que vous pouvez faire un certain nombre de propositions adressées à Joseph Kabila. Et nous allons, nous, moi je suis prêt à accompagner cela jusque chez le président de la République. Si vous aimez le pays, que le dialogue ne donne pas de primes et que la République ne le fasse pas, que chaque parti politique s'organise à prendre en charge ses membres, que chaque coalition politique s'organise à prendre en charge ses membres, je crois que nous n'aurons pas 20 personnes dans ce dialogue. Puisque les gens savent qu'il y aura des primes, qu'on va se partager, qu'on va se donner et nous aurons de l'argent comme ceux qui sont partis à Kampala. Je crois que nous devons respecter ceux qui sont et ceux qui sont pris. Les enfants qui sont en train de mourir sont des enfants congolais. C'est le nôtre, c'est nos semblables. Nous sommes chrétiens. Puisque je vous ai entendu ici avant l'émission, vous avez dit à Jésus. J'ai dit voilà, au moins mon frère accepte Jésus. Mais lorsqu'on accepte Jésus, c'est-à-dire on se bat comme Israël. On se bat pour sauver la patrie. On se bat pour sauver l'image du Congo. Moi, je n'ai pas des affaires de l'État entre mes mains. Mais s'il faut dénoncer dans mon camp, je le fais. Et sans embâche. Vous l'avez dénoncé. Parce que pour moi, c'est la culture de dignité absolue qui importe. Ce n'est pas ce que certains sont en train d'avancer comme argument, puisqu'ils savent s'ils créent cela. Et même dans mon camp, il y a une division qu'on ne peut même pas parler. Ce qui fait la honte même de ma majorité. Merci beaucoup. Puisque certains sont en train de se dire qu'ils sont avec Joseph Kabila, mais ils sont en train de pousser Joseph Kabila vers le mur pour que Joseph Kabila disparaisse politiquement. Cela n'est pas acceptable et nous allons les dénoncer. D'accord. Nous allons terminer avec président Jean-Félix Senga. Vous avez la parole, vous pouvez réagir par rapport. Déjà. Oui, par rapport à ce qu'il venait de dire, moi je souhaiterais et je lui demanderais de ne pas trop vouloir insinuer des choses sur des personnalités. J'affirme que nous, notre préoccupation, ce n'est pas le partage du pouvoir. J'affirme que non, ce n'était pas vous faites des propositions, vous envoyez à Kabila. Là, il va falloir qu'on se comprenne. Nous, d'abord, on ne le considère pas comme président de la République. Vous, vous le considérez comme tel. Maintenant, on va lui faire parvenir nos propositions comment? C'est là la question. Alors, comment ça, c'est un. Non, laissez-moi d'abord poursuivre. Laissez-moi poursuivre mes idées. Donc, considérez ça. Et puis deux, vous savez, si on remonte à l'époque de Mobutu, il y avait un langage, il y a une habitude mauvaise que le Congolais ont fini par créer. Quelle habitude?
ceux qui sont au pouvoir aiment toujours dire pour terroriser les autres. Ah, ceux qui bobimi bakobomabino, qui va vous tuer? Qui prend plaisir à tuer les autres? Il les tue pourquoi? Ils disent vous cherchez à partager le pouvoir, mais en même moment, ils disent que non, vous, votre préoccupation, c'est comme pour chercher à salir l'opposition aux yeux de la population, ce qui du reste ne passera pas, parce que le même pouvoir ne dirige pas bien, et ne fait rien pour le peuple sur le plan sociologique et économique. Rien. Mais alors rien, j'affirme, je réaffirme. Vous voyez rien. Je ne sais pas si vous en voyez, il y a un impact sur le panier du ménager. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est fait. Alors, je vois mal quel est ce peuple-là qui va se dire, oui, nous nous rangeons derrière notre bourreau qui est ce pouvoir en place. Ça c'est deux, trois. Quand on dit, nous sommes faibles, moi je n'ai pas dit que nous sommes faibles. J'ai dit, le pouvoir est faible, votre pouvoir à vous est faible. Non, pas le peuple congolais de manière générale. Quand on parle du peuple congolais, dans le peuple congolais il y a l'opposition et la majorité. Maintenant, nous de l'opposition, nous disons, c'est ceux qui ont le pouvoir à main. Si la communauté internationale aujourd'hui a jugé que le pouvoir, le leadership était faible, à votre avis, c'est parce qu'il y a un certain Jean-Félix Senga dans l'opposition, c'est pourquoi le leadership du Congo est faible? Non. Il y a quelqu'un qui est à la tête du pays qui n'est pas à la hauteur. Ça, c'est la communauté internationale qui le dit. Voilà pourquoi ils ont été amenés à prendre une telle position. Vous comprenez? Donc, c'est le pouvoir à eux qui est faible. Et pourquoi il tient à sauvegarder, à garder le pouvoir? C'est pour une raison. Aujourd'hui, si sa majorité n'est pas au pouvoir, il devient faible. Il devient faible. Mais nous, contre vents et marées, bien que nous ne soyons pas au pouvoir, nous tenons, nous disons ce qu'il faut dire, nous réclamons quand nous revendiquons, quand il faut revendiquer. Ça me surprend aujourd'hui qu'ils disent que quand Rutshuru était tombé, les gens s'étaient tués. Mais non, nous avions pris position en son temps. Nous avons même toujours des points de presse que nous faisons chaque fois qu'il y a un événement au pays. Nous avions stigmatisé, nous avions condamné avec la dernière énergie non seulement les soi-disant M23 et même la MONUSCO qui a été complice. C'est la MONUSCO qui a fait entrer ces gens-là parce qu'il y avait déjà un verrou. Le verrou avait sauté comment? On ne comprend pas. C'était donc une complicité de la MONUSCO pour que le M23 se retrouve à Goma. Même aujourd'hui, ils y sont. Est-ce que le pouvoir ignore? Qu'est-ce que le pouvoir prend comme disposition? Eh bien, quand nous devons dire ça, c'est parce que nous cherchons à partager le pouvoir. Alors, voilà, nous disons ça. Donc, pour le dialogue national, nous, le FAC, nous tenons au dialogue intercongolais. Mais Tien Tshisekedi, qui vous avez soutenu, rejette les dialogues et au moment où nous parlons, il est en Afrique du Sud. Tout à fait. D'ailleurs, moi, je vous ai souvent comment dit... Comment est-ce que vous trouvez ça? Contrairement, le comportement de l'IDPS, contrairement le comportement du président à mon frère, pour parler en faveur de Kabila, il a tenu à chercher à terminer l'image de Tshisekedi qui n'y arrivera jamais. On peut lui donner 100 ans sur ses micros, on peut le faire défiler dans toutes les provinces, il n'arrivera jamais à faire terminer l'image de Tshisekedi au profit de Kabila. Jamais. Mais Tshisekedi s'est déplacé... n'a pas de défauts, n'a pas de faiblesses. Non. Je n'ai pas dit ça. Lui a compris ce que j'ai dit. Je parle de ternir l'image. Okay. Il est en train de tenir des propos dans ce sens-là. Okay. Ça, c'est un combat déjà perdu, pour ceux qui le concernent. Un combat perdu. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous parlions du dialogue. Nous avons dit, nous voulons le dialogue parce que c'est à l'issue du dialogue, quand on aura signé le pacte républicain. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand tout le monde vous voulez que vous, de la même façon. Quand le gouvernement, quand le pouvoir dit, oh non, vous d'abord à l'opposition, vous êtes divisé. Mais la division est dans la majorité, il y en a. Regarde ce qui est scandaleux, ce qui est ridicule. Aujourd'hui, on veut nous faire voir, nous faire croire que s'il y aura dialogue, c'est l'initiative privée du chef de l'État. J'ai dit c'est faux. Il est poussé, il est bousculé. On l'oblige pratiquement. Qui l'oblige? Nous, le peuple, la pression que nous faisons sur lui, nous, l'opposition, la pression que nous faisons sur lui, le contraint à y arriver. Voilà pourquoi il y a eu des gens, comme il est sans ignorer, des gens qui sont allés nuitement lui dire, tu vois, ça risque de t'échapper, donc il faut que tu récupères, donc fais ceci, fais cela. C'est ainsi qu'on a initié des concertations. On a commencé avec Boshab. Toujours dans leur propre majorité, on a cru que non, avec Boshab, ça n'aura pas beaucoup d'impact, il faut passer par Minak. Or, nous disons ceci, nous, FAC. Contrairement à tous les autres opposants qui ont défilé au bureau de Minako, nous n'irons jamais à son bureau. Parce que nous, avec Minako, nous allons nous rencontrer. Nous avons vu Lisanga Bongama qui fait partie du FAC. Moi, j'ai dit nous. Toi, tu me parles de Lisanga Bongama. Moi, j'ai dit nous. D'abord, à commencer par lui, parce qu'il avait parlé de deux facs. Oui. Je voudrais remettre les pendules. Voilà, il avait parlé de deux facs. Oui. Il faut apprendre à être sérieux dans ce pays. Oui. Nous avons quand même
un pouvoir qui sait organiser les choses dans le pays. Nous avons le ministère de l'Intérieur, hein, qui octroie les papiers, que tel parti peut exercer, tel autre ne peut pas exercer. Je ne sais pas si lui, dans sa connaissance, il a appris que Lisanga Bonganga a des documents officiels en tant que fac. Je ne sais pas s'il a appris. Ou bien toi. Tu es journaliste, tu peux faire des enquêtes, tu verras qu'ils n'ont aucun papier. Nous avons les papiers en tant que fac. Mais c'est le pouvoir qui veut les imposer comme fac. Ça ne nous dérange pas, nous. Nous disons que c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Oui. Donc, je disais que Minaku, si nous allons le rencontrer, nous, pas en tant que président de l'Assemblée nationale. Nous allons le rencontrer en tant que secrétaire exécutif permanent de la majorité présidentielle. À ce titre, c'est normal que nous fassions des échanges. Ou diriger, on termine par là. Les assises ou les pourparlers, je ne sais pas moi, les dialogues nationaux. Vous êtes sans ignorer que nous avons exigé qu'il y ait un facilitateur international. Oui. Et nous avons jeté notre dévolu. Pas les églises congolaises, pas des Congolais. Nous avons jeté notre. Non, si on va prendre. Je prends un exemple. On prend aujourd'hui le cardinal. La majorité dira oh non, il a une connivence avec le pouvoir. Autant ne pas prendre un Congolais. Prenons. Et Sassou, il connaît bien le Congo, il connaît les problèmes du Congo, il peut nous aider parce que si aujourd'hui ça bade, son pays sera envahi, donc il a tout intérêt que ça marche bien pour qu'il soit aussi en paix. Voilà pourquoi nous avons jeté notre dévolu. On peut prendre aussi le Rwanda ou l'Ouganda. En dehors, jamais l'Ouganda, voilà. Jamais le Rwanda, jamais l'Ouganda, comme eux ont accepté le dialogue de Kampala avec. Vous reconnaissez que vous êtes venu agresseur. Et vous l'acceptez comme médiateur. Merci, franchement. C'est la fin de cette émission. 30 secondes à chacun. 30 secondes, je crois qu'il a beaucoup argumenté. J'aurais souhaité ramasser tout ce qu'il a présenté comme argument. 30 secondes, oui. Le Congo n'a jamais, la RDC n'a jamais été démantelée. C'est d'une quelconque rencontre à Kampala. C'est la force des structures internationales qui a fait que nous soyons à Kampala. Et la preuve, c'est que malgré ce qu'il y a comme faiblesse dans notre diplomatie, nous avons maintenu l'idéal, nous avons pris l'initiative de ne incorporer ni un seul militaire banyarwanda ou qui viendrait de l'Ouganda dans l'armée congolaise. Et nous avons dit perdre ou gagner, question de vie ou de mort. Et nous avons réussi, c'est le seul élément, puisque la présidence a tourné sur la délégation, et voilà ce que nous avons obtenu. Et c'est bien facile. Vous avez dit qu'on n'entre pas dans les parties. Puisque dans l'histoire politique qu'on écrira, qu'on fait des allégations de l'implication de M. Tshisekedi dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et on le dira toujours, vous ne changerez pas cela, puisque ici je ne suis pas venu. Qui sont habilités? Qui sont habilités? À défendre son habileté, à défendre son habileté, à défendre son habileté, à défendre. Je parle de ma majorité et de l'autorité morale de ma majorité présidentielle. Deuxième chose, parce que facilement, il y a des allégements. La majorité, je sais pas, on m'a dit, ça serait si mais on m'apprend qu'il était conseillé et tu disais même la production à l'époque je sais pas que nous n'avons pas de pays, je l'ai déjà dit à ceux qui nous suivent en pays. Nous devons mettre ensemble déjà pour changer la situation. Voilà. Nous allons résoudre entre Congolais. Avec les coups patriotiques cette fois-ci. Merci. Vous allez emboîter les pas la majorité. Merci, monsieur Flavien. Nous avons toujours dit au peuple congolais, l'heure est grave pour le moment. Nous traversons des moments les plus durs de notre pays. Nous savons que notre pays est convoité de partout. Nous savons que notre pays est beaucoup de notre pays. Une raison de plus pour que nous organisions les dialogues de sorte que nous signions un pacte républicain. On a signé ce pacte.
Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Bien-aimé dans les seigneurs, le frère Nixon Mavinga avec son album « Mon berger ». Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Frère Nixon Mavinga avec l'album « Mon berger » Baye. Nasombate, Nazo Zero, album « Mon berger » disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album « Mon berger » Baye. Frère Nixon Mavinga, a célébré album Mon berger sur le marché. Bobina Kawapie, Bobina la Mokondit. Album Mon berger Yango Yoé. Banzembo Kitoko, Banzembo Lorula Matea. En même temps, Ezo Binisayo. En même temps, Ezo Teayo. Boya Boe, Ezalate. Ezaninye. N'album Mon berger, Satan Azui Zero. Nasombate, jamais. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plèbe de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les modisquaires de la place. DVD Oyobozelaki, Pona, ba papa, ba maman, Bana, Mpeli, Bota, Mubimba, Yangoy, Ngonge, Beti. Adorons l'éternel, adorons le grand roi. Avec Casarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît. Avec une plèbe des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Ba papa pe ba mama, pona bana, peli bota mobimba, pena ba fête nyonso bolingaka. Album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu. Adorons les grands rois. En support DVD, achetez l'original. Sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur. Sa bonté, sa fidélité. Adorons les grands rois. En support DVD, achetez l'original. Parce que lobby est ça yo. T'as là le frère Marius Numbuma zongi de soussoyer par un jour. Bien aimé Bondi Maboyamba album Oyo. Tu es capable. Nangolo Nzambe album Oyo. Bordel cause la mingi. À Paris, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Dieu est capable. Batumi balé basobé la maladie moko, basa na hôpital moko. Médecin moko a traité bangonyo somi balé, mais moko a koufi moko a biki. Et ça kangolo. Ning na lobby boye baki na lobby ya moto moto a évité de ba limiter matin bala oyo bana na nzambe nyonso ya mokili bo bana biki bozolo ndangana www.casarema.fr. Bala auto lobby nzamba za roulage. Mon konzala pinda ye, ala pinda yo. Akoti kanga mo umute, ala pinda yo. Hey, malosako bambote jambo yeno. Neka na disabino ke mon konzala pinda ye. D'ici là, l'album entre des jours. Y'a frère John Kandolo et Ozala déjà partout dans le monde. Mais à complicité na Casarema. Comment album na bino et Ozala déjà d'ici là.
bobongisa baki sangala na bino tala na moi compte na yo bien bongisa déjà réservé déjà na Angleterre mobimba dans nos bits partout na États-Unis to bongisa ya baki sangala po mo konti sa lapindai album na bino entre des jours akokota na kanana ngai mboka ya promesse réservé déjà mbongo na yo po somba CD pour participer à Moussa Nzambe. Na ebi sibino na kati album mo konti sa lapine kandai bien aimé dans le Seigneur. Yes. Il a la grâce, yes. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. Alapindayo. Akoti kangamo umute. Alapindayo.